parler de CQRS et d'Event Sourcing. Donc on a trouvé ce super titre plein d'acronymes. On va essayer de vous montrer que CQRS et Event Sourcing, c'est un peu plus cool que le CRUD. Donc on espère qu'à la sortie, vous aussi, vous serez convaincus. Du coup, on va se présenter rapidement. Moi, je m'appelle Valentin. Je fais du Scala depuis 2012 à peu près. J'ai travaillé donc sur le projet qu'on va vous décrire aujourd'hui avec Damien pendant un an. Je suis freelance, j'étais déjà freelance sur ce projet et Damien va se présenter. Oui, bonjour à tous. Moi je fais du Scala également depuis 2012, mais vraiment pro depuis 2014, à mon arrivée sur un Mac. Donc ça fait 2 ans, voilà. Et je suis freelance aussi, polyglotte, Scala entre autres. Voilà. Oui, beaucoup plus polyglotte que moi. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qui s'appelle AMAC. Donc AMAC, c'est une espèce de mini start-up qui est incubée et internalisée chez Page Jaune. En fait, le groupe Page Jaune, tous les ans, organise un concours en interne. Ils font un hackathon un week-end. Il y a un jury composé de membres du board de Page Jaune qui sélectionne le meilleur projet. Et le projet qui gagne ce concours gagne le droit d'être incubé, porté par Page Jaune. Donc ça donne des projets où on est en mode start-up, on fait ce qu'on veut, mais en même temps on a le budget, on n'a pas tout le budget évidemment, mais on est backé par un grand groupe, donc on n'a pas de problématique de chercher des investisseurs, etc. Donc AMAC, c'est le projet qui a gagné ce concours il y a 3 ans, je pense. Et du coup, le projet a démarré il y a 2 ans. Donc l'idée, c'est assez simple, c'est un système de mise en relation entre des gens qui ont besoin d'un service à domicile et des gens qui sont capables de rendre ce service à domicile. Ça va du babysitting au montage de meubles, en passant par des déménagements, garder les chiens ou le chat, etc. Donc l'idée, c'est qu'on a des users qui ont 2 types de profils. Soit ils sont askers, ils ont besoin d'un job, ils ont besoin d'un service, soit ils sont providers de ce service, et du coup ils vont pouvoir rendre ce service. Évidemment, c'est interchangeable. Je peux être asker de babysitting et provider de montage de meubles, par exemple. Donc rapidement, c'est un projet qui a commencé, on le voit ici, en août 2014. À une époque à peu près préhistorique, vu que Play n'était pas sorti encore en 2.4, Aka non plus, la MongoDB 3.0 n'était pas sorti non plus. Et quand on est parti en prod en juillet 2015, on venait juste de migrer en Play 2.4, Aka 2.4 n'était pas encore sorti, et puis depuis il y a eu 150 000 versions, Play 2.5 est sorti, etc. Donc on va vous raconter un petit peu notre expérience sur ce projet. Il faut bien garder en tête que... parmi les problèmes qu'on a pu rencontrer, il y en a qui étaient dus au fait qu'on a utilisé des morceaux pas très secs, notamment de Aka, et qui depuis se sont nettement améliorés. Donc voilà, gardez ça avec un grain de sel dans la tête. On va faire rapidement un petit rappel de tous ces concepts crus de Event Sourcing, CQRS. Mais avant ça, peut-être que je peux vous demander qui connaît l'Event Sourcing et CQRS. Et qui en fait pour de vrai? Ah ok, c'est cool. Bon, CRUD, je vais passer très rapidement, tout le monde connaît, c'est super cool. Il y a des ORM, on peut faire ça sur plein de bases différentes. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on fait un update ou un delete, on perd de l'information puisqu'on écrase l'état précédent. Mais c'est quand même pratique, on a son état applicatif qui est dans la base de données et c'est assez direct. Bon, par contre, dès que le format, enfin le schéma de la base doit changer, c'est un peu cauchemardesque parce qu'il faut faire passer des scripts. Et clairement, quand on est en début de projet, c'est quelque chose qui arrive souvent de changer son modèle métier, changer des petits bouts, et du coup, ça peut être pénible. À l'inverse, l'event sourcing, donc c'est une autre approche puisque l'idée c'est de attention, j'ai besoin d'un assistant. Donc l'idée de l'event sourcing, c'est de stocker une représentation immuable des événements qui sont survenus dans le passé. Et grâce à cette représentation immuable de tous les événements depuis le début des temps, on est capable de reconstruire l'état courant du système en relisant tous les événements depuis le début. Alors évidemment, ça a un certain nombre de problèmes.
c'est append only, donc ça va consommer de plus en plus d'espace disque. C'est pour ça que event sourcing, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais on n'en faisait pas dans les années 80 parce que juste il n'y avait pas assez d'espace disque et que ça coûtait trop cher. Maintenant, c'est plus vrai du tout. Les temps de démarrage vont être de plus en plus longs, puisque y a de plus en plus d'events à relire toujours depuis le début quand on démarre l'appli pour reconstruire l'état. Ça pose des questions un petit peu plus subtiles sur comment on gère la consistance et la transactionnalité. Avec un CRUD, surtout sur une base de données relationnelle, on fout des transactions et on est à peu près tranquille. Avec Event Sourcing, quand on a plusieurs flux d'events, il y a plus de questions qui se posent. Et puis les events, ils sont immuables, donc ça veut dire que si jamais on veut changer le schéma des events, c'est un peu galère parce que en fait on peut pas. On peut pas modifier les events qui ont eu lieu dans le passé. En revanche, le schéma des events change beaucoup moins souvent que le schéma du modèle métier. Donc on gagne quand même beaucoup plus de souplesse par rapport à un CRUD. Évidemment, ça n'a pas que des problèmes, ça a aussi des avantages. Un des gros avantages, c'est que les events sont immuables. C'est un problème, mais c'est aussi un avantage, parce que vu que c'est immuable, on peut les partager, on peut les distribuer, on peut en faire plusieurs choses. On va pouvoir s'en servir pour envoyer des mails, on va pouvoir s'en servir pour construire des modèles, des représentations différentes de notre système. Ça découple la représentation de qu'est-ce qu'on stocke par rapport à la représentation de qu'est-ce que c'est mon état applicatif. Donc, en gros, ça découple le disque et la mémoire. Et ça, c'est très pratique. Et c'est un peu plus proche de la façon dont nous, on perçoit le monde. On ne perçoit pas le monde comme un gros snapshot de la réalité, mais plutôt des events qui arrivent, qui sont tout de suite du passé. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Un event, enfin, le présent n'existe pas, en fait. Il n'y a que des events du passé qui s'accumulent et qui nous permettent de reconstruire, depuis avec tout notre historique, tout notre vécu, une représentation actuelle du monde. Et puis, ça donne gratuitement des propriétés cool. Vu qu'on conserve tout l'historique de tout ce qui s'est passé depuis le début, on peut faire de l'audit, on peut réutiliser cet historique pour faire autre chose que maintenir l'état applicatif. Par exemple, faire du service client ou des trucs comme ça. On a des histoires comme ça qu'on vous racontera peut-être plus tard. On peut continuer. Quand on fait de l'event sourcing, il y a une notion importante qui est la notion d'agrégat, qui en gros est l'entité qui va s'occuper justement de gérer le modèle métier en fonction des événements. Donc un agrégat correspond à un flux d'événements. Donc si on décide d'avoir un seul flux pour toute son application, on va avoir un énorme agrégat qui va représenter tout l'état du système. C'est lui qui va gérer donc la transactionnalité. En gros, un agrégat va s'assurer que les events sont appliqués dans le bon ordre, dans l'ordre où ils ont été effectués sur le système. Et donc c'est lui qui maintient l'état. Alors pourquoi ça s'appelle un agrégat ? Tout simplement parce que on reconstruit l'état courant conceptuellement sous la forme d'un fold sur les events depuis le début. Donc, si on imagine qu'on est capable d'avoir un état initial vide, qu'on a une fonction qui prend un état et un event et qui va renvoyer un nouvel état, à ce moment-là, l'état courant, c'est juste un fold left de tous les events depuis le début, qui démarre avec l'état initial et qui applique notre event handler à chaque étape. Donc en fait, on agrège, l'état courant, c'est l'agrégation de tous les événements via cette méthode, enfin via ce fold. Évidemment, c'est pas comme ça que c'est implémenté pour de vrai dans les vrais systèmes, mais conceptuellement, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est pour ça que ça s'appelle un agrégat. Il y a une autre notion quand on fait de l'event sourcing qui permet de répondre à certains problèmes, notamment en temps de démarrage, qui est les snapshots. Il n'y a rien qui nous interdit à un instant T de faire prendre une photo de l'état d'un agrégat, de stocker ça dans une base, ce qui fait qu'au prochain redémarrage, on partira de cette photo et on n'aura appliqué dessus que les événements qui ont eu lieu après. Et donc ça coupe en fait les temps de démarrage autant qu'on veut, quoi. On peut faire un snapshot toutes les minutes, et comme ça on est sûr qu'on n'aura pas plus d'une minute d'event à rejouer si jamais le nœud tombe et qu'il faut redémarrer, quoi. Alors comment ça s'est articulé dans le projet AMAC? Donc on l'a vu, on a deux types d'entités. On a les jobs et les users. Du coup, nous on a décidé de prendre un flux par entité. Donc chaque user a son propre flux d'événements, chaque job a son propre flux d'événements.
On stocke les events dans une base spécialisée qui s'appelle Event Store. Et on stocke les snapshots dans MongoDB. Alors, Event Store, vous connaissez probablement pas parce que c'est pas un truc super connu, sauf pour les fondus d'Event Sourcing. Donc, c'est une base qui est spécialisée pour l'Event Sourcing. Ça a été initialisé par. Enfin, c'est un projet qui est l'idée par Greg Yang, qui est le type qui a inventé CQRS, enfin qui a inventé le terme CQRS. Ça permet de stocker des events soit directement en binaire, soit en JSON. En JSON, évidemment, c'est plus lourd, mais on gagne des fonctionnalités en plus. Ça promet des grosses perfs, puisqu'on peut écrire sur un seul nœud jusqu'à 5000 événements par seconde et en lire 15 000. Et en principe, c'est bidirectionnel, on peut faire les deux en même temps. On peut lire les 5000 pendant qu'on est, on peut lire les 15 000 pendant qu'on écrit les 5000, en principe, ça tient. Et puis ça a une petite interface web qui n'est pas dégueu. Ça, par exemple, c'est la vue d'un flux d'événements, où là, on voit donc l'ID de notre event, l'ID technique au sens de la base de données, le type d'event, la date, et un petit lien quand on a mis notre event en JSON, qui nous permet de voir carrément le contenu de l'event. Et comme il y a des ACL corrects sur ce petit truc-là, on peut par exemple donner l'accès en lecture au service client. Et quand Madame Michu appelle pour dire « Oui, c'est un scandale, je reçois des mails de votre service, j'ai rien demandé », le service client peut dire « Mais écoutez Madame, si en fait vous avez cliqué sur ce bouton avant-hier à 16h30, et du coup vous avez créé un job et il y a des gens qui vous répondent. Ah, j'avais pas compris que ça faisait ça ». Histoire vécue quasiment toutes les semaines, au moins une fois, par le vrai service client qui était dans notre même bureau que nous au début. Donc c'est un des avantages de faire de l'event sourcing, c'est qu'on a tout l'historique gratos. Donc maintenant, CQRS. Alors CQRS, c'est pas une façon de stocker son état, c'est plus une façon d'architecturer son application. On peut faire du CQRS avec du CRUD, on peut faire du CQRS avec de l'event sourcing. On peut imaginer faire du CQRS avec autre chose, enfin, ou sans persistance. Et ça veut dire Command and Query Responsibility Segregation. Donc c'est un mot qui a été inventé par le même Greg Yang que celui qui a fait Event Store. Et en gros, l'idée, si on regarde le schéma qui est juste après, c'est qu'on va être capable... Ça peut être pratique quand on a un système de complètement séparer la façon dont on représente les actions qui vont modifier le système, donc les commandes, des actions qui vont juste aller regarder qu'est-ce qu'on peut extraire de ce système, donc les queries. Ce qui fait que dans un système CQRS, on a un write model, un modèle en écriture, qui est complètement différent du modèle en lecture. Et typiquement, quand on fait du CQRS plus event sourcing, on a un modèle en écriture qui va recevoir des commandes, les valider, et si elles sont valides, émettre des événements, les stocker, et ensuite réutiliser ces événements pour modifier l'état applicatif, éventuellement publier les events pour en faire autre chose, éventuellement faire des snapshots. Et à côté de ça, on va avoir un query model qui va faire un truc complètement différent, qui va jamais passer par les agrégats, par exemple, ou si c'est plus pratique, peut passer aussi par les agrégats. Nous, dans le cadre de Hamax, ce qu'on a fait, c'est un truc pas tout à fait orthodoxe, c'est qu'on a utilisé les snapshots comme read model. Ce qui fait que quand on a une query, par exemple, donne-moi tous les providers qui sont capables de monter un meuble dans la région de Bordeaux. On va directement faire une géoquery dans Mongo. Vu qu'on a toutes les infos dans les snapshots, ça marche. Quand on demande donne-moi le profil de l'utilisateur Toto, là on va directement taper dans l'agrégat via son ID et on va récupérer ça directement. Mais on pourrait imaginer avoir ici une PostgreSQL où on mettrait l'âge moyen des gens. Ce serait un read model avec juste une entrée, enfin juste une ligne, l'âge moyen des gens, et on le mettrait à jour suite à chaque event. Par contre, la commande, elle est complètement décorrélée de la partie lecture. C'est ça l'idée de CQRS. Alors, la consistance, donc tu dis qu'on va avoir un retard entre la commande et la lecture, donc un problème de consistance, en fait, c'est pas, pour de vrai, c'est pas grave. C'est vrai, effectivement, ce sera pas exactement au même moment écrit en base. Pour de vrai, nous, on s'est débrouillé pour que
quand la requête HTTP, enfin quand la réponse HTTP revient, le snapshot est déjà sauvé, enfin tout est consistant. Mais effectivement, tu pourrais avoir plusieurs requêtes HTTP parallèles qui verraient un état différent du système, mais c'est pas pour ça que c'est incohérent. C'est ce qu'on appelle l'éventuel consistency. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va être cohérent. Et ce sera toujours cohérent au bout d'un moment. Et pour de vrai, si tu fais une transaction bancaire, par exemple, tu l'as bien vu, quand tu commandes un virement à ta banque, pourtant c'est une transaction, puis c'est du pognon, tu vois, c'est un truc où on aimerait qu'il y ait de la consistance. Y a un moment donné où les sous, ils sont plus sur le compte de départ, et ils sont pas encore sur le compte d'arrivée. Et pourtant, à la sortie, il n'y a pas d'argent qui est perdu. C'est de l'éventuel consistency. Du coup, un des problèmes qu'on avait eu à Amac, c'est qu'au début, on était parti sur du pur crude dans Mongo, parce qu'on était là pour faire un POC au départ et qu'il fallait aller vite. Et bon, je les ai bien saoulés pendant 3 mois à leur parler d'event sourcing et de CQRS, etc. J'étais, oui, ils ont cédé, et du coup, il a fallu refactorer pour faire de l'event sourcing avec du CQRS. Le problème, c'est qu'on avait déjà du code, on avait déjà de la data, et on ne pouvait pas tout perdre. Donc on a fait ça en 2 étapes. On a commencé par prendre toutes les écritures directes dans Mongo, dans nos classes de service, et les remplacer par un système de commande. C'est-à-dire que le contrôleur HTTP, enfin le contrôleur web, il reçoit une requête HTTP, et plutôt que d'appeler directement une méthode de service qui est écrite dans Mongo, il va transformer ça dans une commande, il va emballer en fait l'appel de méthode dans un objet, et il va l'envoyer à un nouveau sous-système qui gère les commandes, et qui lui faisait directement des écritures dans Mongo. Ça, c'était la première étape. Et ensuite, en 2e étape, on a pu du coup changer le nouveau sous-système qui prenait des commandes et qui écrivait dans Mongo en un sous-système qui prend les commandes et qui émet des events. Alors le problème, c'est qu'on avait déjà des entités qui existaient. Du coup, on s'est dit, les objets qu'on a déjà, on va considérer que c'est des snapshots de nos entités. Évidemment, pour ces entités-là, on n'aura pas l'historique, mais à partir de maintenant, on va les traiter comme des entités normales et envoyer des events. Donc on a des jobs qui traînent encore en prod, dont on n'a pas l'event de création, par exemple. C'est un trade-off, mais au final, ça fonctionne quand même, quoi. Et voilà, en conclusion, CQRS avec event sourcing, ça match super bien, parce que tout est fonctionnel, tout est à base d'objets qu'on s'envoie, de messages, que ce soit les commandes ou les events. Et puis, on peut faire plein de trucs cool, dont Damien va commencer à vous parler derrière. Oui, donc tout ça, ça a été déployé pratiquement depuis le départ sur la plateforme AWS OpsWork. Et on a rencontré pas mal de problèmes parce que nos applications ont été clusterisées aussi. Donc il y a pas mal de problèmes qui sont dus à ce genre de choses. Et toutes nos applications sont mises à jour et sont déployées avec des recettes chef par OpsWork. Donc notre application est découpée en différentes couches. On a un ELB qui nous fait la répartition de charges. On a un ELB qui fait la répartition de charge. Ensuite, on a la couche Play qui contient toute l'application, du début, c'est-à-dire du contrôleur jusqu'à la persistance. Ensuite, on a la couche Event Store, la couche Mongo. Chacune de ces couches est répartie dans trois zones au sens AWS pour de la redondance et éviter que ça se casse la figure. Et l'intérêt d'Obsware sur cette partie-là, c'était de récupérer les IP des différentes machines pour pouvoir popper des nouvelles instances quand on a besoin. Si on a une machine qui crache, on la redémarre et c'est parti. Donc là, les différentes couches présentées au sens OpsWork, un bastion qui est notre coffre-fort d'accès à toutes les couches derrière qui ne sont pas directement exposées sur le réseau. Oui, sur le point. Oui. Ensuite, justement, on parlait que j'ai dit justement que la problématique était beaucoup l'accès en cluster de ces différentes machines. Parce que tout se passe bien à cas persistance, en fait, ça se passe super bien quand on a une seule machine. Mais on a des nouvelles problématiques qui arrivent en fait dès qu'on a plus d'une machine, en fait. Justement, là, ici, on peut voir que on a des utilisateurs qui peuvent se retrouver sur un nœud 1, sur un nœud 2, sur un nœud 3 par rapport à une clé de sharding.
Il faut bien savoir, en fait, faut savoir localiser ces différentes, il faut savoir de localiser ces agrégats. Donc là, c'est pour ça justement, on a des instances, enfin des acteurs qui sont présents sur chaque nœud. Donc on a une sorte de mécanisme de proxy qui permet d'accéder d'un nœud A à un nœud B, justement, pour savoir où est localisé où est localisé cet acteur. Ensuite, on a une notion de singleton. Pour certains besoins, par exemple, pour envoyer des notifications, on a besoin qu'on ait une seule instance de cet acteur sur l'ensemble du cluster. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un singleton. Et les shards, ce que je disais tout à l'heure, c'est la répartition selon une clé particulière sur l'ensemble du cluster. À noter que là, justement, on parle de distributed pub/sub, pardon. Justement, après la persistance d'un événement dans l'event store, on a besoin, par exemple, d'envoyer des notifications. Et pour ces raisons-là, on va pas publier en fait cet événement sur les trois nœuds en même temps. Ça résulterait d'envoyer les trois emails à la même personne, quelque chose qui nous est déjà arrivé en pré-production. Voilà. Voilà. Ça fait partie des trucs pas secs qu'on a rencontrés. Donc on a nos agrégats qui sont répartis sur le cluster, ils sont shardés. Et on a du coup, vu qu'on ne veut pas envoyer trois fois les mails, un seul acteur qui envoie les mails, comme Damien a dit. Mais du coup, au début, alors avant d'avoir, au début, on a eu trois fois les mails qui partaient, et puis après, on en avait un sur trois, on ne comprenait plus. Et en fait, ça c'était quand on a mis l'acteur d'envoi de mail en singleton. Parce qu'en fait, ce qu'on faisait, c'est on publiait les events directement dans l'event stream de AK, le pub sub. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il était local, ce truc-là. Absolument pas distribué. Donc en fait, il y avait les agrégats qui étaient sur le bon nœud, celui qui avait l'acteur d'envoi d'email, eux, ça partait, puis les autres, ça partait pas. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place ce distributed pub sub, qui était un machin en contrib. Il n'y avait pas de. Enfin, sur la doc de AK, il disait copiez le code dans votre projet et débrouillez-vous avec quoi. Maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, c'était vraiment pas sec. Oui. Alors la question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser Event Store pour gérer les notifications et le pub sub? Alors, on pourrait maintenant, parce qu'effectivement, Event Store fait du pub sub sur les events qui arrivent sur chaque stream. Le problème, c'est que vu qu'on a un cluster en face qui va consommer ça, on avait besoin des competing consumers qui n'étaient pas encore sortis. Competing consumers, l'idée, c'est on va avoir plusieurs trucs qui souscrivent au même flux d'événements, mais il n'y en a qu'un seul qui va avoir chaque élément qui sort. Ils sont en compétition chacun pour être le premier à en attraper un. Cette fonctionnalité n'existait pas encore dans Event Store. Elle existe maintenant, donc on pourrait le faire purement via Event Store, mais on ne pouvait pas à l'époque. Alors, même question avec pourquoi on n'a pas utilisé RabbitMQ ou Kafka ou whatever. L'idée, c'est que on voulait minimiser le nombre de technos à gérer, à mettre en prod, etc. Parce que, enfin, on s'est pas trop étendu sur la question, mais on a été probablement les premiers à écrire des recettes chefs pour déployer un cluster Event Store sur AWS, par exemple. Sur la mailing list, ils en avaient jamais entendu parler, ils n'ont pas trop pu nous aider. Et du coup, là, vous avez toute l'équipe back-end de Hamac, en fait. Hein. On n'était que deux et on n'avait pas trop le temps de. Donc on s'est dit, AK, ça marche bien. Oui, puis il me semble en fait AK Persistance utilise des notions de plugin justement pour accéder aux différents backends de persistance. Et il me semble pas que RabbitMQ à l'époque fournissait de choses justement pour persister ces événements et autre chose au final. Event Store, par contre, lui en faisait partie. Oui, donc ensuite, on va parler de la première étape où on reçoit la requête HTTP et on va la transformer en commande, justement. Là, c'est un petit peu de un peu de pub inside sur le DSL monadique.
Donc ouais, ça c'est la tronche qu'ont nos commandes HTTP, enfin nos commandes play, enfin nos commandes, nos contrôleurs play. Donc on a des actions qui sont mono-expression avec une seule boucle for. On a passé un peu de temps au début du projet à écrire un petit DSL à base de Monad Transformer qui rajoute cet opérateur-là et qui nous permet du coup de prendre des fonctions qui renvoie des futurs de options, des futurs de Heather, des options Heather, enfin un peu tout ce qui peut arriver en sortie d'une méthode de service, et de nous rendre capable de dire bah si ça se passe bien, tu prends ce qui sort, si ça se passe mal, tu renvoies une bad request. Et ensuite, avec ce truc-là, bah tu vas faire un autre truc, et puis si ça se passe bien, tu prends ce qui sort, si ça se passe pas bien, tu renvoies un conflit, etc. Ce qui fait qu'on a toutes nos actions sont vraiment écrites comme ça, c'est super clean. On voit tout ce qui se passe et ça va super vite, quoi. Et en plus, ça oblige, c'est assez cool, c'est un side effect assez cool, d'obliger à penser à qu'est-ce que je fais quand ça se passe mal. Parce que si je mets pas ça, ça compile plus. Donc je suis obligé de penser à qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce que je fais quand ça se passe mal. Ça s'appelle Play Monadic Actions, c'est sur Maven Central, vous pouvez vous en servir. Maintenant, c'est compatible avec CATS, c'est Scala Z et toutes les versions de Play. Voilà, ça c'était pour la petite pub. Donc on a notre requête HTTP qui arrive sur notre serveur. Donc elle est potentiellement non valide au sens JSON et par rapport au type qu'on attend, enfin on doit à un moment donné ce JSON va falloir qu'on le transforme en case class. Il est potentiellement pas valide dans ce cas concret justement. Ce JSON n'est pas valide parce qu'il manque la date d'expiration. Donc là on peut voir que sur ce diagramme de séquence on va rester bloqué. On va pas aller plus loin que le contrôleur de job justement, et on va directement renvoyer une erreur 400 à notre client. Donc là, on n'est même pas rentré encore dans la fabrication d'une commande. Donc après, on a pas mal utilisé la partie aussi la lib play.json justement qui nous permet de faire des choses assez sympas en matière de validation de premier vraiment niveau technique. Donc pour vérifier qu'un champ est présent ou absent et qu'un champ a des contraintes relativement simples de longueur, de taille, voilà. Ensuite, on a passé notre requête HTTP est valide, on l'a transformée en case class. On a besoin de savoir si elle est valide d'un point de vue fonctionnel. Donc, on va commencer à la créer. On va créer une commande qui s'appelle createUser. Commence par un verbe et qui se termine plus ou moins par l'entité de ce qu'on fait. On a essayé de s'y tenir à peu près au niveau des noms. On va valider en fait une commande peut soit échouer et renvoyer une erreur de validation, soit réussir et se transformer en événement. Donc là, on a un cas où ça va être OK. Donc on va transformer notre commande en événement, de la même façon, l'entité sur laquelle ça porte et un verbe au passé qui porte sur cette entité. Donc notre événement est envoyé à notre event handler. On verra plus tard qu'il y a un mécanisme qui permet de persister cet événement. Et ensuite, on va renvoyer celui-ci au contrôleur qui va renvoyer notre réponse à notre utilisateur. Oh non, oui. Le cas où justement notre commande est invalide pour des raisons là, par exemple, on essaie d'envoyer un job pour une date qui a déjà expiré. Donc ça, on n'a pas voulu le valider avec du JSON. Mais on peut le valider facilement en ce cas-là, on verra après comment. Et voilà. Et donc là, on crée une commande. Notre commande n'est pas valide. On ne va pas faire de transformation en événement. On va envoyer une erreur de validation à notre contrôleur qui va la transformer pour finalement envoyer une erreur 400 à notre client. Alors ça, c'est une représentation un peu macro du truc. Pour de vrai, il faut se rappeler donc, que nous, on a nos acteurs persistants, qui sont donc, nos agrégats, qui sont shardés sur le cluster. Et il va falloir communiquer avec eux, potentiellement à travers le réseau. La requête HTTP, le LB, il round robin plus ou moins aléatoirement. La requête HTTP, elle arrive sur le nœud 1, mais l'agrégat, il est sur le nœud 3. Et il faut faire un petit paquet. Lui envoyer et que lui soit capable de nous répondre avec soit les erreurs, soit l'entité qui a été mise à jour. Alors ça, c'est fait avec un truc qu'on a appelé commande processor.
Alors, vu que c'était un projet un peu en mode start-up, on avait le droit de faire des trucs cool, et notamment d'utiliser Scala Z. Parce qu'à l'époque, CATS, c'était même pas encore une idée, vu qu'on est en 2014, ça n'existait pas. Donc on est parti un peu full functional programming. Du coup, notre validation, ça devient ce qu'en Scala Z, on appelle une validation NEL, c'est-à-dire une validation qui va renvoyer soit une liste non vide d'erreurs, soit une liste d'événements. Validation, c'est un type assez cool qui c'est une sorte de Heiser, mais au lieu d'être une espèce de fausse monade qui s'arrête dès qu'on a une erreur, ça nous permet d'accumuler toutes les erreurs possibles dans une liste et de combiner en fait différentes petites validations qui vont chacune essayer de trouver une erreur et accumuler à la sortie les erreurs qui vont être trouvées, ce qui fait que quand on a un type comme ça, on sait qu'on aura toutes les erreurs d'un coup. Et du coup, on va pouvoir toutes, par exemple, les renvoyer au client pour qu'il les affiche en rouge dans le formulaire. Et qu'il n'ait pas à réessayer 36 fois avec à chaque fois une nouvelle erreur. Ça, c'est si vous ne connaissez pas, je crois qu'il y a un autre talk sur le pendant CATS de ce truc-là. Et allez-y, c'est super cool, ça change la vie. Ensuite, le problème, c'est que donc ce command processor, qui va en gros être le truc en charge de valider la commande et de fabriquer les events, au moment où on le fabrique, on n'a pas l'état, puisque l'état, il est ailleurs sur le réseau, c'est l'agrégat qui s'en charge. Donc du coup, on a appelé ça validator, la partie du command processor qui valide les commandes. C'est un truc, donc c'est un reader, c'est-à-dire c'est un truc qui a besoin d'un état pour être capable de renvoyer une validation. Et on utilise un reader parce que reader, c'est un peu conceptuellement, c'est une fonction d'état dans validation, mais qui a des propriétés un peu cool, notamment qu'on va pouvoir les combiner et les agréger entre eux. Ça va nous permettre en gros d'écrire des validators tout petits et de les combiner ensuite pour faire des validators plus gros, sans avoir à expliquer au compilateur comment on combine ces différents trucs. Il le sait tout seul parce que bah, il sait combiner des readers de X dans Y. Et que en plus notre commande validation elle-même a une propriété de combinaison qui fait que on va accumuler toutes les erreurs. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est très cool. Et on a besoin d'un autre truc aussi qu'on a appelé commande contexte, qui en gros va contenir des métadonnées sur qui a émis la commande, en termes de quel utilisateur est responsable de ce truc, quand ça a été émis, la vraie commande. Donc ça, c'est la vraie case class de notre petite ADT de commande, un truc tout simple, quoi. Genre, update la description du job avec la nouvelle description dedans, quoi. C'est vraiment l'objet super simple. Et donc, avec tout ça, on va être capable de définir ce trait-là, commande processor, qui donc est paramétré par un type de commande, un type d'entité sur lequel il s'applique, et qui va donc avoir besoin d'un validator, donc c'est ce machin, ce reader qui renvoie une validation. Et une fonction qui, étant donné un contexte, va être capable de, enfin, va renvoyer une nouvelle fonction qui, avec l'état, donc l'état plus le contexte, va fabriquer une liste d'events. Vous verrez pourquoi on a besoin de l'état pour fabriquer les events. Mais en gros, sans vous spoiler, c'est parce qu'on met dans les events qui changent quelque chose, on met la valeur qu'il y avait avant. Donc on a besoin de connaître l'état maintenant pour savoir qu'est-ce qui va changer si j'applique cet événement. Et donc, du coup, ce truc-là, en fait, c'est une type class, pour de vrai, qui est paramétrique sur la commande. Et on va pouvoir l'obtenir implicitement. J'ai une commande qui arrive de ma couche HTTP. Je demande à mon scope implicite, tu connais un processeur pour ce truc-là? Oui, parce que sinon ça compile pas. Et il me le donne. Je le configure avec les vraies valeurs qu'il y a dans ma commande là maintenant, et j'envoie ça sur le réseau, et ça va trouver tout seul son bon agrégat, et ça va s'appliquer là-bas. Donc du coup, nos validateurs, ça reste des trucs très très simples. L'idée, c'est de les faire tout petits, et puis ensuite de les combiner entre eux. C'est des espèces de Lego, quoi. Donc, quand on applique quelque chose sur un état, il faut que cet état existe. C'est-à-dire, il faut que l'entité existe. Actuellement, notre système, on lui donne un ID de truc, et il va nous fabriquer, nous retrouver un acteur persistant pour cet ID.
Si l'acteur, enfin si l'entité n'existe pas, il va nous créer un acteur quand même, mais avec un état nul. Donc il faut qu'on vérifie que ce truc-là existe bien. Après, on a par exemple, là, on vérifie avec ce validateur status is one off que le job est dans un status qui est acceptable. Parce qu'on a des règles du style, bah, si la commande est, enfin, si le job est terminé, on n'a plus le droit de modifier sa description. Ou si le provider et l'asker se sont entendus sur un tarif, on n'a plus le droit de modifier la proposition de tarif, etc., etc. Et du coup, bah, on peut assez facilement écrire, bah, j'ai besoin d'un. Là, je valide que le job il existe et que son statut c'est soit in review, soit pending. Donc, on s'emmerde un petit peu au début du projet à écrire ces trucs-là. Et ça, on en écrit de moins en moins. Et ces trucs-là, on en écrit de plus en plus. Et puis, du coup, on va super vite, quoi. Et du coup, ça nous permet de créer un processeur comme ça. Donc, ça, c'est une implicit val, c'est une instance d'une type class. J'ai besoin d'une commande pour connaître les vraies valeurs qui sont contenues dedans. Et je fabrique avec ça un nouveau command processor avec le validateur qu'on a vu tout à l'heure et la fonction qui va nous permettre de fabriquer les events qui correspondent à cette commande et à l'état courant. Ça, on le verra plus tard. Il manque un slide. Ah oui, non, ça, c'est n'importe quoi. Et du coup, bon, il manque un slide, mais en gros, c'est un slide qui montre un test unitaire. C'est dommage parce qu'il était beau ce slide en plus. Et donc, en gros, faire les choses fonctionnellement comme ça, c'est un peu galère au début parce que bah, on connaissait pas forcément super bien Scala Z. Il y a plein de trucs qu'on a appris en cours de route. Mais à la sortie, on avait un truc qu'on a pu tester complètement sans faire de mock, sans lancer un cluster AK dans les tests. Parce qu'en fait, on pouvait vraiment tester chaque validateur en isolation. Créer un faux état, une fausse commande et forcer. Donc on aurait pu faire du Scala check, mais on ne connaissait pas non plus à l'époque. On a utilisé une lib qui s'appelle DataGen, qui permet de générer des data aléatoirement. Donc c'est à peu près c'est le même principe que les générateurs de Scala check. Et du coup, on pouvait générer aléatoirement des jobs, forcer un état et vérifier que bah, on se prenait bien des erreurs de validation quand on essayait de envoyer une commande avec un état qui n'était pas cohérent avec cette commande, quoi. Donc ça, c'était la première étape, comment on passe d'une requête HTTP à une commande, et comment on emballe cette commande dans un processeur qu'on va envoyer à notre agrégat. Et Damien va nous raconter comment on passe de la commande aux événements. On va déjà définir ce que c'est qu'un événement. Vous l'avez vu brièvement persister dans Event Store tout à l'heure, mais au final, un événement, c'est une entité sur enfin, l'identité d'une entité sur laquelle il va porter. Hein, donc dans notre cas, c'est un user ID ou un job ID. Le who, en fait, on a parlé tout à l'heure de notion d'audit. C'est ce qui va nous permettre d'auditer justement et de savoir qui a effectué l'opération. Ça peut être un utilisateur qui vient de s'inscrire, ça peut être un administrateur, ça peut être aussi, dans certains cas, un batch en fait, mais on saura qui est à l'initiative de cet événement. Ensuite, on veut savoir à quelle date il a été effectué. On est toujours dans le passé. Le what, justement, c'est le type de l'opération. C'est pour savoir si c'était une opération de création, de mise à jour, de suppression. Le why, c'est pour identifier la commande. Et la version, en fait, c'est on peut avoir des événements qui vont se retrouver en différentes versions. Donc, c'est pour bien identifier dans le temps, en fait, un événement. Et on verra après comment faire évoluer celui-ci. On a parlé d'opérations. Donc, on a besoin à des fins de persistance et pour faciliter aussi les quelques pattern matching pour surveiller des transitions. De différencier les opérations qu'on peut avoir, création, mise à jour, suppression, pardon. Donc l'update, on a la valeur précédente, le was, et la nouvelle version qui est mise à jour. Donc ça, c'est bien pratique pour savoir justement, pour vous connaître la version précédente. Après, on n'a pas mis en place de mécanisme pour l'utiliser. On aurait pu imaginer aussi faire des rollbacks sur des événements et autre chose, revenir dans le passé.
Donc là, pour détecter des, par exemple, on a des, les événements peuvent avoir différentes granularités. Et dans certains cas, on peut aussi surveiller justement la enfin, le changement d'un état sur une opération. Donc là, en l'occurrence, c'est sur un job. On veut détecter que le job, le statut du job est passé en annulé pour envoyer par exemple un email de modération. Alors oui, on a fait le choix, ce qui est pas forcément ce que tout le monde fait, pour une commande de s'autoriser à envoyer plusieurs events. Tout le monde ne fait pas forcément ça parce que ça pose des problèmes quand on veut justement traiter les events en aval autrement que juste pour maintenir l'état du système. Parce que typiquement, si on réagit à certains types d'events pour envoyer des mails, mais qu'on envoie plusieurs de ces events suite à une commande, bon, on va se retrouver à envoyer plusieurs mails. Ce qui peut être galère. Du coup, nous, on rajoute le why qu'on a vu tout à l'heure, c'est un truc de cette classe-là, commande ref, qui contient le nom du type de la commande, le simple name du type de la commande, son ID et surtout n et off, qui va nous dire bah, ça, c'est le troisième event d'une commande qui en a envoyé 12. Et du coup, bah, quand n égale off, on sait qu'on est arrivé au dernier. Et par exemple, on peut réagir à cet event pour faire des trucs. Donc typiquement, en fait, le nom du type de la commande plus ce truc-là, ça va nous permettre aussi de réagir à la fin de l'application de certaines commandes. Parce que parfois, c'est conceptuellement plus simple de dire, bah, quand quelqu'un veut updater son profil, ça va être potentiellement plusieurs événements, mais à la fin, je veux lui envoyer un mail pour lui dire que j'ai bien compris. C'est un très mauvais exemple, mais parce que ça peut être plus pratique, en fait, de faire des events plus petits, mais du coup, tu as besoin d'en faire plus. Faire des events petits, c'est cool parce que tu as moins de chances que leur schéma change. Et justement, ça fait partie des trucs galères dans l'event sourcing. Voilà, on commence à plus avoir de temps, du coup on va passer un peu vite. On a utilisé Monocle pour appliquer les events sur l'état courant. Donc Monocle, c'est une librairie d'optics, donc des lenses principalement, on a utilisé. Ça nous permet de changer un truc qui est immutable sans écrire copie, grosso modo, je dis ça très rapidement. Les snapshots, on va peut-être sauter la partie snapshot, c'est peut-être pas très où tu veux. Oui, pour les snapshots à l'époque, il n'existait pas en fait de plugin Mongo à l'époque pour enregistrer nos snapshots dans deux collections séparées. Par défaut, le plugin n'enregistrait que dans une collection à la fois. Donc on a eu besoin de le réécrire à la fois pour la partie sauvegarde et la partie enregistrement, mais ça vous permet de voir justement comment derrière des choses qui ne sont c'est directement un cas persistance qui va appeler ça sans que vous ayez besoin de le faire au final. Et voilà, et ça permet de sauvegarder avec des metadata comme des numéros de version, des événements et autres directement dans vos collections Mongo les utilisateurs en asynchrone. On n'a même pas le. Ok. Et donc là, maintenant, c'est 2 ans plus tard, comment se porte AMAC d'un point de vue développeur et d'un point de vue production? Donc, d'un point de vue développeur, justement, tout à l'heure on parlait de granularité d'événements. En fait, plus nos événements sont gros, plus on va avoir du mal à les maintenir au niveau de leur cycle de vie, au final. Dans tout doute, on va forcément avoir une feature qui va demander d'ajouter telle ou telle propriété sur cet événement. Et donc, ben, plus notre événement est gros, plus on va avoir du mal et on va devoir écrire du code technique pour le faire évoluer. Donc, on a utilisé 2 façons différentes pour faire évoluer les événements. Donc un pipeline, tout à l'heure je disais aussi que nos événements ont une version. Donc d'une version à une autre, on a écrit un pipeline qui permet d'ajouter un champ. Il détecte par exemple, si vous voyez là le 3, ça détecte en fait la version dans laquelle l'événement est et devrait se trouver. S'il y a une différence entre les deux, il va appliquer une fonction pour là, ici, ajouter un account status aux valeurs actives. Et on a aussi trouvé qu'à base de avec les sérialisateurs, pardon, le fournir une valeur par défaut, en fait, ça résout quand même pas mal de problèmes. Et oui, et maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle l'Event Adapter sur AK qui gère ce genre de choses à votre place. Un an de dev, donc là maintenant c'est 2 ans de dev plus tard, pardon. Et bien
Pour donner un petit peu de chiffres, on a 83 commandes, 83 commandes différentes, 43 pour le user et 40 pour le job, et en événement 115 et 60, voilà. Et en grande majorité, une commande envoie un événement. On doit avoir un cas concret en fait qui lui envoie un événement pour une commande. Oui, ça. Et en prod actuellement, donc depuis le début du projet, on a fait des maps, même si c'était pas l'application n'était pas encore publique, on a fait une map tous les 15 jours. Et à ce jour, on a 60 000 utilisateurs en production, 3 500 missions. Et on a une base de données d'Event Store qui pèse 40 gigas, parce que justement on enregistre quand même bien plus de choses et on a toutes les valeurs précédentes, on les historise au final. Ça explique la différence de volume. Et Mongo, 500 mégas pour la partie dev, plus 1 giga de données techniques de réplication. Avez-vous d'autres questions? Il nous reste combien de temps? Alors la question c'est est-ce que les snapshots on peut envisager de garder que le dernier et de pas aller dans les deux sens, je suis pas sûr de se suivre. Ah, et de repartir dans le passé depuis un snapshot. Alors c'est ce qu'on fait en fait, on sauve les snapshots dans Mongo en écrasant le dernier à chaque fois. Du coup on repart toujours de celui-ci. Et on pourrait effectivement repartir dans le passé d'un snapshot parce que nos events sont tous réversibles. Mais par contre aussi, l'intérêt sur ce genre de choses, c'est qu'on peut, si on a fait une boulette où on a besoin de faire évoluer notre état ou notre snapshot, justement, c'est celui qu'on utilise pour le read model. Mais il suffit de supprimer en fait ce snapshot de la base de données. On va modifier avec le code la façon d'appliquer l'événement sur l'état en fait, et on aura un nouveau snapshot tout beau, tout neuf, qui répondra peut-être à nos besoins de requête en fait. Oui, vu que tu as tout l'historique, tu peux perdre les snapshots et tu peux corriger des bugs du passé et faire comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. C'est ça la puissance de l'event sourcing. Si tu t'aperçois que depuis 6 mois, en fait, il y a un événement que tu interprètes mal, tu fixes le bug, tu supprimes tes snapshots, tu rejoues les events depuis le début, le bug n'a jamais existé. Et on l'a déjà fait. Enfin, ça nous est arrivé pendant le projet et c'est top. C'est une des grosses puissances du truc. Alors combien de temps pour réappliquer tous les events? Nous, vu qu'on snapshot après chaque commande, on le fait quasiment jamais, mais pour de vrai, c'est très rapide. Hein. Parce qu'on a beaucoup de streams, en fait, donc du coup, on réapplique les events stream par stream quand on ressuscite l'acteur persistant. Et vu qu'il n'y a jamais plus de, allez, on va dire, 2000 events par stream, et encore, ça, c'est des très gros streams, ça va, c'est de l'ordre de la seconde, quoi. Après, s'il fallait tout réappliquer sur toutes les entités depuis le début, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est de l'ordre de la dizaine de minutes, quoi, maximum. Alors, donc la question c'est est-ce que concrètement on lit les events pour de vrai dans Event Store? Effectivement, vu que nous on snapshot à chaque commande, en principe on n'en a pas besoin. Sauf quand on perd un snapshot ou quand, comme Damien l'a dit, on veut changer la façon dont ils sont représentés. On s'est bien marré. Qu'est-ce que comme retour d'expérience, vous pourriez conseiller de ne pas oublier comme information à mettre dans les events? Typiquement, je suis en train de construire un projet avec la gomme. On se dit, ouais, les events, on va mettre qui l'a fait, quand ça a été fait, forcément. Et puis, vous avez mis plein d'autres trucs, j'ai vu. Qu'est-ce que vous conseillez de ne pas oublier à mettre dans les events? Donc, la question, c'est quelles sont les informations pertinentes à stocker dans les événements au final? Moi, je pense qu'on a déjà plus ou moins mis tout. Le OAS, même si nous, on ne l'utilise pas encore, il a quand même un certain intérêt. Il a surtout un intérêt en matière de support aux utilisateurs. Enfin, les personnes qui s'occupent du support chez nous utilisent vraiment cette donnée tous les jours, au final.
Et puis la personne qui l'a fait, au final, je ne sais pas si Vidlagom fournit ce genre de choses, mais le user, enfin l'identité de la personne qui a fait, le who, au final, c'est super important aussi. Au moins, vu que nos événements sont immutables, on est sûr que personne ne va avoir modifié, enfin il n'y a pas trop de sécurité par rapport à ça. On est sûr de qui a écrit, enfin qui a émis cet événement au final. Ouais, je pense que si tu as qui, quoi, quand, comment, t'es pas mal. Plus garder ouais, les ID de commande, éventuellement, quelle instance sur ton cluster est responsable de quel event dans tes métadonnées, ça peut être pratique. Ça, on l'a pas, mais ça peut être cool. Et ouais, les faire le plus petit possible pour pas que tu galères avec, avec les évols de schéma. Plus de questions? Non? Ah ben non, on me dit qu'on n'a plus le droit des questions. Merci beaucoup.